C'est Yoers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran titre, nous sommes sur Super Mario World, Super Mario Advance 2. Donc, pour ceux qui connaissent Super Mario World, qui est vraiment assez connu sur Internet maintenant, il s'agit donc de la version NES. Donc, je vais faire la version qui est moins montrée sur Internet, mais pour moi qui est la meilleure entre la version NES et donc, la version Game Boy Advance. Attends, je vais bouger pour pas que ça remette l'intro, voilà. Si je le fais, c'est parce que c'est le seul Mario auquel j'ai joué et que bien sûr, ce sera un let's play 100%, bien sûr. Donc autant rester dans cette lignée-là, faire des jeux à 100% quand il y a un 100%. Donc voilà, donc c'est la version GBA, les musiques sont meilleures. Vous avez pu voir que dans la version NES, on pouvait avoir que Mario, dans celui-ci, on peut avoir Luigi. Donc il y a aussi un autre mode, donc là, le mode Super Mario World qu'on connaît tous, voilà, de NES, et donc un mode supplémentaire qui est juste un mini-jeu mais vraiment bien sympa, je le ferai aussi, mais ça on n'y est pas encore. Donc Super Mario World, on y va. Là comme vous pouvez voir, ça remet toujours l'intro qu'il y avait avec la NES dans Super Mario World. Évidemment vous voyez la date, c'est sorti en 2002. On va sélectionner en français. Donc là, je me suis pas entraîné. Je vais me fier sur aussi mes souvenirs, mais donc je me suis pas entraîné. Donc voilà, bienvenue à Dino Land. On dirait bien que la princesse Peach a disparu. Oh, comme par hasard, comme d'habitude d'ailleurs. Ça doit vouloir dire que Lina Bowser est de retour. Bah oui, sinon il n'y aurait pas de Mario. Hein. Ça a toujours été ça les scénarios d'ailleurs. Donc voilà, donc là on peut contrôler notre Mario à chaque fois. Ah, c'est bon. Alors, que je m'en souvienne. Ah, c'est un peu. Ah, d'accord, il y a un petit problème. Il faut que je règle ça. Donc, on va. Voilà, donc j'ai réglé pour jouer au joystick au lieu des flèches directionnelles parce que la flèche de gauche bug. Alors, je sais pas si. Voilà, c'est la durée de vie d'une manette. Ouais. Donc, on va rentrer. Voilà. Alors, quel est le bouton pour accélérer? Très vite, c'est la touche B. Donc ça c'est pour nous dire des messages. Alors, coucou, désolé, je peux pas être chez moi, mais je suis parti sauver mes amis, prisonniers de Bowser, signé Yoshi. Donc voilà, donc on peut voir dans le sens de Yoshi, voilà, bon, si vous avez vu Super Mario World, vous connaissez déjà le scénario. Donc ce sera 100%, donc quel est le 100% dans ce jeu? C'est donc ramasser toutes les pièces de Yoshi dans tous les niveaux. Et donc voilà, d'ailleurs en parlant de pièces, en voilà une. Voilà, il y en a 5 par niveau. Hop là, hop, ah, j'ai failli me faire toucher, mais bon. Et donc, trouver toutes les sorties. Donc, il y aura plusieurs cinématiques une fois qu'on aura fini chaque objectif. Mais c'est pas obligatoire pour finir le jeu. Le jeu, je peux le finir pour possible. Ah. Voilà. Donc là, il faudrait que je dépêche parce qu'il y a un temps. Ça, je m'en souviens très bien. Allez, la deuxième pièce. Donc, c'est les premiers niveaux, donc forcément, c'est facile. Ah. Donc pour le prochain niveau, je teaserai Luigi parce que voilà, sur les hacks, parce qu'il y a beaucoup de hacks en ce moment de... Ah. Là, voilà, je peux passer. Donc, mettons en termes, enfin, Luigi entre guillemets, c'est juste Mario en vert. Là, on a le vrai Luigi et en plus, il a ses caractéristiques. Donc, truc pour touristes, vous pouvez détenir un objet supplémentaire dans la boîte en haut à l'écran. Ce qu'on voit, c'est le champignon. Vous utilisez, appuyez sur Select. Voilà. Quand on se fait toucher, on va dire grand, comme on l'est actuellement, ça vient automatiquement. Après, on peut le choisir si c'est un autre objet. Là, checkpoint. Donc là, ça reste simple. C'est un jeu que voilà. Tout le monde peut s'amuser dessus. Enfin, ça peut être agent des fois. Hop, hop. Alors. Évidemment, c'est un 100%, je montre tout. Hein. Donc, truc pour touriste, encore une fois, servez-vous de la touche B pour ramasser une carapace, relâchez B pour la lancer. Pour la lancer vers le haut, appuyez sur O et de la manette. Bon, moi, c'est le joystick maintenant, et relâchez B. On va tester. Voilà, mais j'ai juste un peu mal visé. Évidemment. Faire attention, il n'y a pas encore les. Voilà, on a une vie supplémentaire. Bon, j'ai plus besoin de ça pour le moment.
Donc là, que n'a-t-on? Oh, que n'a-t-on? Nous avons une fleur. Voilà. Juste que je me sers du sprint poil. Là, c'est mieux. Voilà. Enfin, évidemment, c'est inefficace contre la Blitz Ball géante. On n'est pas encore sur GBA, j'ai pas encore la biche. Putain, qu'est-ce que je dis? J'ai pas encore l'habitude. Donc là, une fois qu'on a les 5 pièces, on a une vie automatiquement. Donc là, quand on finit un niveau, donc on peut avoir. Si on touche la barre, on a donc des étoiles supplémentaires. Une fois qu'on en récolte 100, on est dans un niveau bonus. Et un niveau bonus, évidemment, ne sert qu'à avoir des vies supplémentaires. Je sais plus combien on peut en avoir, je crois une dizaine si on fait le score maximum. On sera à un moment donné dessus. Donc là on est dans le palais du bloc jaune. Évidemment ça sert à la fin de cette épreuve. Bon là c'est un truc tout simple. Donc là c'est juste pour avoir des pièces, donc des vies. Ah voilà. Alors, la prochaine fois je prends un Luigi. On va vous montrer le gameplay avec Luigi qui est vraiment différent. Ce n'est pas ce qu'on a sur les hacks de la super, enfin de la NES. Donc là au bout on va activer l'interrupteur. Et comme on va dire sur le message qui va être affiché. Alors le pouvoir de l'interrupteur que vous avez activé transformera donc les blocs qui étaient transparents comme ça en blocs maintenant solides. Et ce qui se cache derrière ces blocs sont donc des champignons. Donc maintenant donc à chaque fois qu'on finit un niveau entièrement normalement on peut sauvegarder. Donc en appuyant sur R, voilà, on peut permuter avec Luigi. Et Luigi a ses propres caractéristiques avec le saut. Il est un peu plus lent, oui, mais vous verrez. Bon, je vais essayer de jouer avec lui. Je dirais, c'est lui, j'ai toujours préféré parce que c'était mieux. Surtout au niveau des sauts. Vous allez voir par vous-même. Voilà. Donc il est un peu plus long, donc un peu plus lent. Et ses sauts sont un peu plus... on peut aller plus haut, ça c'est bien sympa. Voilà, une vie gratuite. Donc là, vous pouvez voir que le bloc donne donc une vie. Ah, là, on va voir Yoshi. Youhou! Merci de m'avoir libéré. Je m'appelle Yoshi. Je suis venu sauver mes amis, mais Bowser m'a enfermé dans cet œuf. Et pourtant, il y aura des milliers de Yoshi. Hein. Donc, non, je ne crois pas. Je suis pas sûr si avec... si on contrôle Luigi et qu'on est sur Yoshi, les sauts sont encore les mêmes. Hein. Je ne crois pas. Voilà. Donc... là, il y a un petit gameplay à montrer en mangeant des pommes avec Yoshi. Plus on avale de pommes. On va s'occuper de lui. Voilà, donc 3 fois pour eux. J'ai pas les noms exacts des ennemis, donc j'ai pas envie de les inventer non plus. Alors, truc pour touristes, cette borne marque le milieu du niveau. Briser la borne pour, vous permettra de continuer à partir de ce point. Et si vous êtes petit et que vous touchez cette ligne, vous deviendrez donc grand, comme si vous avez mangé un champignon. Enfin, manger, vous avez pris un champignon. Avoir un truc. Quand il y a des tuyaux, on peut peut-être des fois aller. Voilà. Je sais que j'ai 4 boutons sur la manette, mais il faut que je m'habitue. Il n'y a que 2 boutons sur la GBA, il n'y avait que 2 boutons. Voilà. Ah, donc là, Yoshi, tu m'excuses. Voilà. Donc là, c'est pour une pièce, évidemment. Ah, toujours pas. Voilà, donc encore ça, ça fait 1000 points. Donc une fois qu'on a ramassé assez de pommes, bon c'est des pommes normales, après il y a ceux-là qui sont un peu plus colorés, on pourrait dire, un peu aussi un peu plus blanches, ouais, on pourrait voir. Donc ça donnera un item, soit une fleur, soit une plume. Ah, ça je sais que ça amène quelque part. Oui, c'est juste un bonus. En général, on peut sauter plus haut en se propulsant de Yoshi. Là, par exemple, j'ai une vie. Il en reste un tout en haut. Je vais essayer de l'avoir. Voilà, bon. Ah, ces blocs, bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je les montre. C'est des blocs qu'on peut ramasser pour se servir comme une arme. Après, ça se détruit si on l'utilise pas pendant un petit moment. Voilà. Donc, il y a 2 touches. Faut que je m'habitue qu'il n'y ait que 2 touches, là. On peut avaler presque tous les ennemis. Certains ne peuvent pas être avalés directement. Il met plus de temps à avaler. Hein. Ça dépend de quel Yoshi on aura. De quel Yoshi de couleur on aura. Voilà. Donc ça. Voilà. Alors ça, c'est les interrupteurs. Donc les pièces deviennent solides, on pourrait dire.
Et ça nous a permis donc d'avoir plus d'étoiles pour aller plus haut sur la. Sur le fin de niveau, hein, sur la barre de fin de niveau. Et là, on a déjà 47. Donc, il y aura une différence. Je vous montrerai ça. Enfin, sur les niveaux, sur la carte, il y aura quelques différences. Je vous dirai ça en temps voulu. Faut pas que j'oublie de le dire. Allez, ça, c'est. Voyons. Alors. Truc pour touristes, les grosses pièces sont des pièces dragons. Maintenant, c'est maintenant qu'il nous explique. Si vous aurez récolté 5 au cours du même niveau, vous gagnez une vie supplémentaire. Donc voilà. Donc là, c'était une grande utilité que active l'interrupteur des blocs jaunes. Parce que vous allez voir par la suite, ce niveau, c'était vraiment. Bon, c'est pas infaisable, mais c'est toujours mieux. Là. Bon, à l'heure actuelle, je suis toujours pas mort. Ça c'est pour se balancer. Faut que je regarde attentivement le décor. Là il y a un Yoshi. Donc une vie supplémentaire. Donc voilà, si vous ramassez un Koopa qui est dans une carapace en train de voler, ou juste une carapace, ça lui donne des pouvoirs spéciaux. Soit vous lancez des boules de feu, soit vous pouvez voler. En vous recrachant évidemment. Pour les boules de feu. Alors est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici. Ouh, là j'étais au bord. Ah oui, il y avait les interrupteurs, donc ça m'aurait sauvé. Donc là, tout ça c'est simplement pour une pièce. Voilà. En général, c'est pour une pièce ou, bon, vous le verrez en temps voulu, je vous montrerai. Donc là, checkpoint. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand vous piétinez un ennemi, vous pouvez sauter plus haut en maintenant le bouton de saut, appuyez sur haut. Donc voilà, des choses qu'on sait déjà. Ah, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc? Non. Juste une petite pièce. Bon, autant avoir. Voilà. Une fois qu'on récolte le deuxième item, enfin si on a la fleur. Si on est déjà dans le pouvoir de la fleur et qu'on ramasse une autre fleur. Oula. Oula. Oh, attention. Là, voilà. Il nous reste une pièce à avoir. Moi je trouve la musique meilleure. Alors qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je me souviens plus à quoi sert cet interrupteur de l'étoile. Je n'ai plus de. Je sais plus. J'essaie de chercher mais. Je sais pas. Il doit avoir une solution mais. Enfin une solution. Une explication, mais je me souviens plus. Parce que si on tape sur l'étoile et qu'on a rempli une condition, on a une vie dedans. Donc, toujours utile, mais je ne sais plus comment on l'a. Ça montre à quel point ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Ah, ce niveau. Bon, comme il est montré, il y a de l'eau. Ce qui va être chiant, c'est. Voilà, les poissons sautent, mais c'est pas cela le problème. Encore? Ah oui, j'avais ramassé un champignon, j'ai un champignon sur la case, maintenant j'ai une fleur. Non, le problème, ce n'est pas eux. Ni eux d'ailleurs, donc on va d'abord aller dans le bonus. Ah ça oui, ça c'est simple. Ah oui, vu que celui-ci peut pas avaler. Voilà, c'est assez simple comme gameplay, mais. Voilà. Alors, si vous visez directement la tête, normalement ça passe. Attends, est-ce que si je saute. Ah, mais je me trompe de bouton. Faut vraiment, j'ai l'habitude. Hein. Ouais. Donc, en général, Yoshi peut sauter sur les ennemis. Que Mario, s'il sautait dessus, il se ferait avoir. Ah. Bon, Yoshi, on va t'abandonner pour l'instant. Aïe, 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 aïe. À quoi que tu vas me servir quand même. Ça se voit que j'ai pas eu l'habitude depuis un petit moment. Allez, au revoir Yoshi. Alors, ce qu'on va faire. Là, on a l'étoile, on est invincible. Voilà. Donc, évidemment, quand la musique s'arrête, on est. Bon, là, j'ai traversé un tuyau, donc ça s'annule, mais. Pour l'invincibilité. La musique, quand elle s'arrête, vous êtes investi pendant encore 2-3 secondes pour vous avertir qu'après c'est fini. Hein. Heureusement,
Ça, c'est une bonne chose. Donc là, on a 89 étoiles. Donc, à mon avis, prochain niveau, c'est sûr qu'on sera dans le niveau bonus que je vous montrerai. Là, on est. Bah, non, c'est pas le prochain niveau. Ce sera le prochain après le château. On va diguer. Donc, c'est un des sbires de Bowser. La première apparition d'ailleurs. Donc, chaque fois qu'on rentre dans une maison hantée ou un château, c'est toujours fait comme ça. Voilà. Oh, attention, il est rapide. Oh là. Donc évidemment, s'il y a des coups pas de l'autre côté, il suffit juste de taper et voilà. Voilà. Bon, ça c'est un peu con. Comment je fais pour le récupérer? Je peux pas. Ah si. J'ai rien dit. Évidemment, sur le niveau château, il y a aussi donc les pièces. Les pièces Yoshi, j'appelle comme ça. Ah oui, donc. Oula, attention. Là, j'étais en train de réfléchir. Comme vous pouvez voir, il y a une pièce Yoshi de l'autre côté. Il y a un moyen de la récupérer. C'est donc ici. Voilà. Là, vous voyez pour une fois. Luigi de face. Voilà. Voilà une pièce. Donc, on est de l'autre côté. Moi, c'est super pour. Ah merde, je suis revenu. Voilà. Un peu de ménage. Je me dépêche, il reste 200 secondes et c'est pas des secondes secondes, hein, ça passe vite. Hein. Voilà, on revient. On n'y est pas encore, je crois. Ah, c'était épreuve, ah ouais. Ça. Oh, on a toujours pas eu de plume. Oh, attention. Voilà. Donc là, c'est la porte. Voyons ce que nous dit le message. Truc pour touriste. Un des amis de Yoshi, prisonnier du château d'Iggy Koopa, pour le battre, essaie de le pousser dans la lave en fusion. Allez, c'est parti. Là, ah, je me suis fait toucher. On va essayer de le. Ah, ça c'est dur, il faut qu'il soit. Bon, je crois que vous avez compris comment essayer de l'avoir. Voilà. On va commencer. En général, les boss sont pas très compliqués à avoir. Les boss compliqués, ce sont ceux qu'il y a dans les acromes. Et on n'est pas dans les acromes, mais dans le jeu original. Donc voilà. Mario et Luigi ont vaincu Iggy Koopa, le démon de château numéro 1, sauvant ainsi l'ami de Yoshi, toujours emprisonné dans son œuvre. Ensemble, ils voyagent maintenant vers Beignetland. Quand même les noms, quoi, ça fait un peu fantasy. Donc voilà. On détruit le château, bien sûr, je crois qu'on. On peut pas le rejouer, je crois. Si, on peut le rejouer, je suis. Enfin, pas tout de suite. On peut pas rejouer les châteaux tant qu'on n'a pas fini le jeu la première fois, en fait. Donc vous pouvez remarquer. Non. Remarquez donc les niveaux que j'ai fait là, le point de niveau sont blanc jaune. Par contre, quand vous envoyez un point qui est rouge, ça veut dire qu'il y a deux sorties, non, ou plusieurs sorties, ça existe. Comme vous pouvez le voir. Donc, on va faire ce niveau. Donc c'est lequel? C'est celui avec les. Ah, on va voir la plume, je crois, dans ce niveau. Oui. Donc les Koopas qui ont donc qui brillent nous donnent automatiquement une plume. Voilà, donc on fait ça jusqu'à la fin. Donc si vous avez pas assez d'élan, vous pouvez. Voilà. Ah oui, je crois savoir comment. Où est la caisse? On va le faire. Normalement, il y a un truc spécial normalement pour arriver à la fin. Aïe 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 aïe. Ah oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Voilà. Donc normalement, si on cassait l'interrupteur pour les blocs donc verts, ça fait ça a donc transformé ça en mur. Et si on a la cape, on peut donc réussir à marcher, enfin courir sur le mur afin de monter ici. Donc nous avons la clé et on ouvre l'interrupteur. Donc c'est qui nous ouvre un deuxième passage. Cela n'était pas le passage officiel, comme vous pouvez voir, il y en a encore plein.
Là, on va refaire le niveau à la loyale, normalement. On récupère une deuxième plume, pour moi qui est le meilleur item. Voilà. Ah, ça, j'ai pas prévu ça. Autant que je garde la plume en réserve. Oula. Ah, j'en suis là. Voilà. On peut faire un tac au corps à corps avec ça. Et j'ai tout fait capoter là. Oula. J'ai oublié d'appuyer sur la touche de saut et j'ai été sauvé. Bon, allez. Ah, je me gourre à chaque fois. Voilà. Faut que je joue comme ça. Là, ça commence à partir en vrille. C'est une catastrophe. Allez, reviens là avec ta plume. Voilà. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça, c'est des niveaux. D'accord, je vois très bien. Aïe, aïe, aïe. C'est aléatoire. Donc, vous pouvez sortir de ce niveau avec plein de vie quand vous ne pouvez pas en avoir à la fin. Voilà, là, j'ai une vie. Voilà, moi, j'en ai eu deux. J'ai toujours pas perdu de vie à l'heure actuelle. Donc là, je vérifie pour les pièces, c'est très... Oh, c'est chiant. Voilà, checkpoint. Oh, tu m'énerves. Ah, si je joue à une acrome, alors là, je sens bien que je vais me faire avoir. Hein. Ah, donc ça... Ah oui, non, qu'on a une... Là, c'est l'épreuve pour donc bien se servir de la pouvoir de la cape. Vous pouvez voir, il y a un compteur. C'est pour ceux qui veulent. Donc, vous devez ramasser toutes les pièces. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il faut finir le niveau. On n'a pas assez de temps. Puisqu'il faut le faire. Ça fait beaucoup de temps. J'ai réussi à le finir une fois cette épreuve. Et on a beaucoup de vie à la fin. Donc, c'est déjà ça. Et on finit. Et moi, il me restait, je crois, il restait 10 secondes dans le niveau. Donc, pour dire, ça va être pas beaucoup. Ah. Ouais, j'ai joué qu'avec ces deux touches parce que là je me perds. Voilà. Oh, attention. Du coup, ça veut dire que j'ai oublié une pièce. Évidemment, si on se fait toucher alors qu'on a Yoshi. Ah, j'ai oublié une pièce. Savoir qu'il y en a, il y a une pièce dans les nuages. Ah, donc c'est pas ici. Attends, si c'est de l'autre côté. Tout ça pour une pièce, oui, mais c'est un 100%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien trompé, donc voilà. Donc retourne au début. On a eu, on aura le temps, j'espère. Si on fait tout le niveau avec la cape, ça passera. Là, je me concentre. Qu'une pièce à avoir, je l'ai. Autant finir. Voilà, en plus on est dans le niveau bonus, puisqu'on a récolté plus de 100 étoiles. Voilà. Évidemment, c'est plus facile de le faire avec Mario, comme vous pouvez voir là. Au milieu, donc, il y a le symbole du champignon. Il faut donc en faire en sorte que les champignons reviennent. Enfin, il faut faire des lignées de la même forme. Évidemment, avec Mario, c'est plus facile. Ah, c'est une catastrophe. Moi, je suis sûr d'avoir une vie minimum, non?
Ouais, j'ai deux vies. Qui arrive par le tuyau. Voilà. Donc, je sais pas exactement à combien on en est. Je vais faire le deuxième château jusqu'au deuxième château à 100% et après on s'arrêtera là. Si vous avez l'habitude d'être des vidéos longues avec moi, mais ce sera pas maintenant que ça s'arrêtera. On en passe niveau parce que vous pouvez voir, il y a un scrolling. Et on peut complètement se louper. La mort est facile en fait dans ce niveau. Là, il y a une petite sortie, il y a une sortie secrète évidemment. Donc, là aussi, il y a des plumes, c'est bien sympa. Ici, ce n'est point ici non plus. C'est ici, voilà. Là, je crois que c'est la sortie secrète. Hein. Ok, donc il n'y a rien en bas. Ah oui. Ah bah oui, donc il y a une... Là je l'ai fait d'une façon différente, mais il fallait juste servir d'une carapace pour activer ce bloc. Donc ici il y a la clé. Et voilà. Donc là je crois qu'il y a un interrupteur. C'est lequel? Bah c'est celui pour les plumes. Voilà. Ah, je l'ai mal fait là. On est censé avoir une vie, mais ça tuera pas tout le monde. Juste pour une vie. Donc on va activer l'interrupteur. Voilà, donc l'item qui est à l'intérieur maintenant, c'est des plumes. Voilà. Il y a des rouges, je crois que c'est pour les fleurs. Le bleu, je ne sais pas, je crois pas que j'en ai réussi à activer un. Je me rappelle plus en fait, mais on verra en temps voulu. Donc là, on va faire le niveau à la normale. Ah mais en ce moment, c'est pas facile. Hein. Ce que je vais faire. Ah, je suis mort. Ce qu'on va faire, c'est... petite copie. Allez. Voilà. Il faut y aller dès maintenant dans ici parce que après sinon le scrolling nous tue, comme vous pouvez voir on serait mort. Hop. Ah une plume j'en ai besoin, comme ça j'en ai une de rechange. Voilà. C'est vrai que c'est un peu long mais bon, qu'est-ce que je vous dis. Non, j'ai pas envie de faire de la plume. Enfin, la cape. C'est vrai que dans ce niveau, ce que je détestais plus, c'était ces oiseaux. Ah, donc... Une... Ah oui, donc ça a bien servi donc de péter le bloc. Oh, non. Ah, j'aurais pu mourir. Là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc. Non. Donc là, c'est un peu long comme niveau, mais bon. On a déjà 3 pièces. Là c'est quoi? Oh pour une plume encore. Ah, qu'est-ce qu'il y a après? Une pièce Yoshi.
Ah, ça a bugué. Voilà, là il faut passer. Et au bout, normalement il y a de quoi s'agripper en cas si on était. Voilà. Ouh. Et en plus on a fini le niveau. Pas mal. Ça fait un niveau? Non, c'est juste pour décorer, d'accord. Et là c'est la fin de niveau. La flèche nous indique en général la fin de niveau. On a fini. Voilà. Ah, c'est vrai qu'au début, quand pour le commentaire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire au début, mais là, maintenant, juste à dire ce que je suis en train de faire actuellement. Là, on est dans la maison hantée. Hein. Bon, là, il n'y a aucun moyen de savoir s'il y a une sortie secrète ou pas, mais il y en a une quand même. Alors, si je me souviens bien, on va faire la sortie secrète maintenant parce que ça peut être bien utile pour la fin. Et vous voyez, en haut, il y a un petit passage. On va essayer de retenter. En général, les fantômes deviennent sur nous quand on est assez loin. Mais non! Allez, je retente. Je fais pas de reset ou j'ai pas fait de save state, mais voilà, je retente. Voilà, donc j'ai récupéré donc mes deux capes grâce au bloc jaune qui peut nous aider. Eh, tu vas me faire le coup à chaque fois. J'ai réussi du premier coup à chaque fois. C'est un peu con de le perdre maintenant. Là, c'est dégueulasse. Oui, c'est bon. Donc là, il suffit d'aller de l'autre côté. Il faut le savoir hein, qu'il y a une sortie secrète ici. Hein. Et ce n'est pas pour un passage supplémentaire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Des vies, des vies, des vies, des vies. Voilà. C'est une petite récompense. Ah, voilà. Je voudrais bien. Voilà. Vous voyez, on est déjà à la fin. Vous allez voir où ça amène. C'est juste un niveau bonus. C'est juste. Une vraie récompense parce que ça c'est pas facile de... j'ai eu du mal à le trouver mais j'ai réussi à le trouver donc vous voyez donc zone top secrète comme il est dit donc si on y va alors case du milieu vous avez donc un Yoshi sur les autres vous avez soit les fleurs de l'autre côté vous avez automatiquement donc les plumes et vous quittez l'écran et voilà donc c'est un petit bonus voilà pour vous refaire pour refaire un niveau peut-être compliqué donc voilà. Allez, on va faire donc le niveau. Ah oui, c'est vrai que je suis obligé d'abandonner Yoshi hein, quand on rentre dans un château ou une maison hantée. Voilà, il fallait que je touche parce que la plume, j'en ai pas vraiment besoin. C'est plus handicapant. Donc, que faire? Ah oui, je vois très bien. C'était exprès. Faut que je vérifie un truc. C'est bien ce que je pensais. Et donc celui-là mène où? À un autre passage. D'accord. C'est celui-là la bonne? Non, je crois que c'est la verte. Oh, je me suis fait avoir.
C'est ça qui est. Avec les niveaux de la maison hantée, c'est vrai que ça peut être aléatoire parce qu'il y a beaucoup de chemin et il faut le refaire plusieurs fois pour après bien connaître les niveaux. Donc là, évidemment, j'ai réussi à passer le niveau. Ah, j'ai fait une avance rapide sans faire exprès. Minime. Ouais, voilà. On va le refaire parce qu'il nous faut les pièces. Et je veux savoir ce qu'il y a dans cette porte bleue. En général, c'est l'ultime sortie. Hein. Voilà. Donc je traverse deux fois la porte. Il faut le savoir hein, parce que ça se ressemblait, mais ce n'était pas ça. Ramasser ça qui est en haut. Je me suis bien fait avoir. Voilà, donc là, on va activer la porte. Suite à l'interrupteur. Voilà, qui y a-t-il derrière cette porte? Donc, hop, voilà. Un plus simple. Donc là, une fois, ça c'est des interrupteurs un peu spéciaux. Bon, on peut pas le savoir, mais voilà, là ils nous le disent. Les pièces qui se donc se tortillent lorsque vous frappez les blocs sont des pièces téléguidées. Savez-vous de la manette pour les diriger? Donc là. Et une fois que vous sélectionnez un mur, bah, donc les pièces continuent à défiler tout le long du jingle. Et si vous donc touchez à un item, par exemple la porte ou en bas, là, voilà, ça s'arrête. Truc à savoir, donc si vous voulez faire des vies aussi, c'est utile. Voilà, je suis toujours pas mort à l'heure actuelle, donc on va finir ce niveau. Allez, on a toutes les pièces. Allez, ah non, là j'ai fait n'importe quoi. Après, ça se ressent que j'ai pas fait gaffe à la différence. Voilà. Là, c'est sorti. Ah bah on aura un niveau bonus. Mais le mieux c'est de faire avec Mario parce que ses sauts sont, on va dire, plus lourds. Enfin plus lourds. Donc il revient trop, plus vite au sol et contrairement à Luigi, lui il se coupe à ses pieds pour mieux planer, on pourrait dire. Donc. Ah j'ai entortillé une fuite, ça c'est pas bon ça. Voilà. Allez. C'est assez dur de faire un résultat avec Luigi. Bon j'en ai toujours deux. Voilà. En cas si vous faites pas de vie, là Luigi, il est, enfin en général, soit Luigi soit Mario, ça dépend qui vous êtes, qui est dans le bonus. Mais ils font quoi? Ils font quand ils sont déçus. Allez, plein de beignets numéro 3. Ah, ce niveau. Bien dans le vide. On va récupérer donc une plume. Voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Ah génial, donc je pensais qu'il fallait juste le Yoshi bleu pour ça, en fait non. Bon, qui a-t-il en haut? On peut bien sûr le recracher et la ravaler plutôt. Vous êtes beaucoup. Je sais pas, il l'avale pas là. Est-ce que c'est des simples et rouges qui donc donnent des boules de feu? Je crois que oui. C'est à savoir. Donc là on a deux pièces. Ok, que dit cet interrupteur? Voilà. Parfois appuyez sur le bouton R pour faire défiler les grands à gauche et voir ce qui se passe au loin. Non, L j'ai dit. Ouais c'est pas mal cette option. Voilà, là c'est une petite épreuve, l'erreur n'est pas être admise. Quoi. Voilà. Voilà, le checkpoint. Ah, je pensais que j'allais me faire toucher, mais non. Ah oui, je crois qu'il y a des... Ah non, je me trompe de niveau encore. Ah, c'est pour une zone bonus. Ça.
Oui, déjà une vie. Ensuite, hop. Ah, je me suis trompé. Ensuite, ça. Voilà. Ah bon. Moi, j'ai eu quelques vies. J'en ai déjà 40. C'est pas mal. Bon, je me souviens à peu près des niveaux, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, ça. Voilà. Je ne comprends absolument pas. À quoi sert ce bloc étoile? Je veux savoir. Est-ce que si on a plus de si on a plus de pièces que le nombre d'étoiles qu'on a encore en réserve grâce à la barre de fin de niveau, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne. Alors il y a quoi? Ah oui, ça c'est donc les Koopas qui vont dans celui-là, donc ils nous suivent jusqu'à la mort. On s'apprend qu'ils sont intelligents, ils sautent par-dessus quand ils sont devant eux, mais derrière ils sont déboulés quoi. Là vous avez compris le fonctionnement de la carapace jaune pour les Koopas. Donc ça c'est quoi? Non. Oui, on peut bien descendre. Qui y a-t-il dedans? Ah d'accord. Oui, c'est pour une pièce. Quoi? C'est tout? Okay, pour moi ça servait à rien. Ah lui. Je me rappelle comment il m'a fait péter des câbles à l'époque. Attends. Non. J'ai cru. Je crois que c'est pour être propulsé. Enfin, à la fin, quand on sortira, on sera propulsé comme si on était tiré au canon. Ah, ça, c'est une petite épreuve. Bon, tant pis. Là, j'ai merdé, c'est vrai. Mais je suis pas un pro Super Mario World. Voilà, ça nous permet de passer ce passage. Voilà. C'est dommage. Ah, ben. Je suis de retour. Donc ça, je crois que vous avez deviné. Ça gère donc... Alors, on investit. Ah non. Non. Misère. Alors, ce que je voulais dire, ça donne donc... ça laisse défiler donc... donc un item, voilà, j'ai réussi à le dire. Et donc on peut le prendre, on peut avoir n'importe quel item si on arrive à le prendre à temps. Je voulais prendre l'étoile au départ. Donc là, on a tout. Oh, attention. Voilà. Comme ça, on a fini à temps. Oh, c'est dommage, j'étais tout en haut là. 11 étoiles. Pfff. Moi, débloquer donc de Morton, enfin le château de Morton. Pourquoi je pourrais dire une maison, mais bon, c'est pas de son chez lui, mais voilà. Donc allez, on est parti. Là, c'est une épreuve différente. Nous avons ces petits trucs. Je crois que dans l'univers de Mario, je crois que si vous connaissez bien l'univers, vous reconnaîtrez ses ennemis. J'ai pas les noms, hein, c'est ça qui est dommage. Ah, la pièce, le disque Altor. Allez, voilà. Et voilà. Voilà. Faut être assez prêt pour qu'il se lance. Ah, les Koopas. Les Koopas immortels. Enfin, presque immortels. Donc, le fait d'avoir Luigi, ça nous aide plus sur cette épreuve. Qu'on peut aller plus loin, nos sauts sont meilleurs. Là, on peut facilement se faire avoir. Ouais, j'ai réussi à passer, d'habitude, c'est pas évident. C'est comme
la nette impression. Non, ça va. J'avais cru qu'il... Ah, mince. Ouais, il faut activer le quatrième bloc. Allez, reviens. Oh. Bon, au moins j'ai activé le bloc, mais bon, ça prend du temps. Je sais pas quelle épreuve ça va être pour affronter le copa. Ah, pardon si vous attendez un petit jiggle. Non, je me suis fait avoir. En haut, en général, c'est pour une pièce, ce genre de d'épreuve. Vous croyez pas qu'il y ait rien, il y a une pièce. Elle est là. Oh non. Là, j'ai mal joué. Là, faut rester là. Ah, j'aurais pu monter, c'est vrai. Parce que là, il y a beaucoup de chances de se faire écraser. Alors, d'où sort la pièce? Elle doit sortir quelque part. Non, toujours pas. Bon, ça, ça nous aide. Ah oui, elle sort d'en haut. Elle est juste en haut. Ça. Et donc la plume qu'on va donc avoir plus un champignon pour en cas si on se fait toucher deux fois. Donc lui, ah lui rien de plus simple. C'est plutôt le deuxième de ce type qu'on va avoir plus de mal puisque les murs se resserrent, mais on n'y est pas là. Ah oui, faut qu'il soit. Ah, c'est pas facile avec Luigi, mais là c'est bon, on a réussi. Ah, évidemment, l'animation quand on réussit l'épreuve d'un château, quand on sauve, donc on récupère l'œuf, il y a toujours une animation différente. C'est jamais la même en général. Comme vous pouvez voir, là il n'y a pas l'interrupteur pour faire exploser le château, là il fait d'une façon différente. Par contre, la taille du château à la fin. Par rapport à la taille de Luigi Love, sérieusement, voilà. Donc je lis. Malton Koopa Junior du château numéro 2 n'est plus qu'un mauvais souvenir. La prochaine étape est le niveau souterrain du Dôme Vanille. Quelques pièces attendent au zéro dans le nouveau monde. Gagnera-t-il de la présence Peach? Voilà, on a détruit là, donc on ira dans le troisième monde. Mais on n'y va pas, hein. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas dans cette vidéo. Donc évidemment, j'ai oublié de montrer, mais en appuyant sur Select. Donc on voit donc les statistiques, évidemment ça nous dit quel niveau a été fait avec quel joueur. Par exemple j'en ai fait 14 avec Luigi, donc 2 avec Mario. Et donc là si on regarde le monde 1, on voit donc le point jaune c'est quand on a récupéré donc les 5 pièces. Voilà, qu'y a-t-il d'autre? Donc quand il y a plusieurs cases, c'est pour les sorties secrètes. Voilà, donc vous le savez. Donc j'ai fait un niveau, j'ai oublié une pièce. Ah oui, j'ai oublié une pièce. Mais bon, on n'a pas encore fini. On a encore quelques niveaux à faire. Comme vous pouvez voir, il y a des tuyaux là dans la carte. Voilà. Attends. Ah non, c'est pas dans ce niveau-là. Donc là, c'est le premier niveau aquatique. Franchement, la musique que j'adore. Ah, juste. Là j'ai fait l'imbécile. Je suis en train de réfléchir et il me faut quelque chose à porter pour aller plus loin. Enfin plus vite. Ceux qui sont. Ceux-là, ils sont chiants, ceux-là. Voilà, non je m'en suis débarrassé parce qu'il nous suit jusqu'à la fin. Hein. Alors qui a-t-il là? Je crois qu'on peut aller en haut. Oui. Ah le ballon. Évidemment on est. On flotte, on a un temps imparti. Voilà, il y en a deux pour aller tout en haut après, je sais pas ce qu'il y a. Ah, c'est une pièce. Voilà, il y a quelque chose à côté. Ah oui, il y avait une deuxième pièce. Et là, qu'y a-t-il ? Encore une fleur. Voilà. Donc
là je me demande où est la clé. La clé, oui, je me souviens très bien. Il y a un interrupteur activé, mais il faut le faire en prenant les pièces qu'il y avait avant. Après, je veux dire, donc, vous comprendrez vu que je fais un 100%. Donc, on a déjà 4 pièces. Voilà. Donc l'interrupteur il est là. Putain, il est revenu. Ah non, c'est une fleur. Je confonds évidemment. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, c'est mon excuse. Ah voilà l'interrupteur en question. Donc faut pas l'actionner tout de suite. Ah, il y a une 6e pièce. J'avais pas fait gaffe. Peut-être que c'est une erreur des développeurs, j'en sais rien, mais. Voilà, donc c'est ici. L'activer que maintenant. Voilà. Donc une fois ça, là voilà. Et voilà. Parce que le temps que vous arrivez ici, alors que vous activez l'interrupteur là où il était placé au début, ben, vous n'aurez pas eu le temps. Donc là aussi, il y a une sortie secrète, enfin plutôt un passage secret. C'est pas une sortie, c'est plus un boss. Je vais essayer de vous y emmener, de toute façon. Voilà. On va faire d'abord la sortie normale. Mais la sortie normale, je sais plus où ça nous mène. Je crois qu'on peut pas aller plus loin. Bon, si j'avais du ski, je passerais entre les fantômes, mais c'est pas mon cas. Voilà. Ah, c'est la première fois, je crois qu'on va voir les gros. Voilà. Ouais. Ça, c'est en cas si on n'était pas Luigi. Hein, mais ça... C'était pour Mario tout ça à la base. Hein. Luigi était ajouté après. Là c'est un vrai labyrinthe, faut que je m'en rappelle bien. Je crois que quand on est grand, quand on active donc un interrupteur avec ben, tout ça, enfin les 10 pièces qui tombent. Oula oulala, qu'est-ce que tu me fais là? Quand on est petit, il faut taper 10 fois dans le bloc, et alors quand on est grand, ben, ça nous donne les 10 pièces d'un coup. Enfin, c'est un petit détail, mais au moins je trouve ça sympa. Oh, il y a une pièce. Voilà. Oh putain, ça c'était bâtard. Non, pas tout de suite. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Ah, ça nous revient au point de départ. Et comme Luigi peut être cheaté. D'abord, vu que je crois que j'ai déjà activé l'interrupteur avec les 10 pièces, ça va pas nous le remettre. Je crois que c'est ça. Attends, faut que je le regarde. J'essaie de finir au plus vite cette vidéo. C'est qu'elle fera presque une heure, c'est même une certitude. Donc on va, je crois que je vais d'abord faire la porte qui était... Bon, il y a un passage au-dessus. Oh, c'est pas vrai. On va faire celle-là. Oh, c'est pas vrai. Quoi ça me sert alors ça? Une pièce ici. Une pièce là. Donc je crois que je vais aller à la pièce où la porte est apparue. Parce que le passage secret il est. Bon il était en haut. Vous allez comprendre de toute façon. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que je repasse ici, la fleur apparaît. Tant mieux je dirais. Les épisodes pilotes, je te fais assez long. Donc là, on va faire la porte bleue. Je crois que c'est là où il y aura donc ce qu'on cherche. Oh Seigneur, je me suis trompé comme une grosse merde. Mes souvenirs me trollent. On n'a pas fini, évidemment. C'est un élément de gameplay qu'on doit connaître dans Super Mario World. Je veux le montrer. Bon, sinon, les 5 pièges, je les chercherai plus tard.
Hein, donc on va plutôt affronter le boss caché, on va dire. Je crois plus que avec Luigi, je crois que donc les pièces apparaissent comme ça. C'est même une certitude. Donc on va activer ça. Vous allez comprendre. Voilà. Bon, si on avait la cape, ça aurait été fini, mais voilà. Ah, elle était là. Oh là, oh ce troll. Oh ce troll. Allez, ça c'est le boss caché. Voilà. Faire attention, en dessous il y a le vide après. Voilà. Rien de compliqué. Bah, si vous connaissez pas, si vous savez pas manier le gameplay pour tenir les objets, c'est pas facile du premier coup. Hein. Moi, je sais où est la dernière pièce, Yoshi. Évidemment, on a débloqué la route étoile. C'est comme ça qu'on fait le jeu le plus rapidement possible, sans hack ni rien, à la loyale. Ah, voilà, donc on n'en s'occupe pas, c'est pas pour tout de suite. Non. Allez, et si on avait fait un tour dans la demeure de Bowser? C'est ici. Ça, j'étais. Pour voir ça, alors qu'on est très loin d'être encore ici, franchement. Voilà. De toute façon, pour les sorties étoiles, il y en a eu presque. Oui, je crois qu'il y a une sortie pour chaque monde en fait. Si je me gourre pas. Hein. C'est bien foutu. Avec Bowser marqué, ouais. Comme si c'était un château fait foraine. C'est l'impression que ça me donne. Ah, c'est niveau glacé, quoi. Alors, les pièces qui... Ah, mais non, ça c'est déjà expliqué, ça. Le bruit que ça fait quand il tortille. Ça, je crois qu'on est invincible, là. Ah, un ennemi près, je peux l'avoir. Il y a quelque chose en haut, j'en suis sûr. Ah, quand il y a de la glace, c'est pas facile. Non? Me serais-je trompé? Non, j'avais bien raison, il y avait quelque chose. Ah, d'accord. On monte tout ça pour pas de pièces à la fin, je trouve ça un peu nul. La dernière pièce doit être quelque part. Oh, ça c'est une vie gratuite ça. Ouais, mais j'ai oublié une pièce. Parce que là, je vois le drapeau. Disant que c'est la fin de niveau. Je suis sûr qu'elle est juste avant. Ça, c'est rien. Elle était là. Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est pas vrai, ouais. Je crois que j'ai l'occasion de ramasser, enfin d'être au sommet de la tour de fin, enfin le point, la barre de fin de niveau, ben il est tout en bas quoi. Vraiment, c'est un petit raccourci. On n'a pas fini à 100% le monde 2, il manque un truc à faire. À 100% je veux dire pour les sorties évidemment, parce que là j'ai oublié quelques pièces dans certains niveaux. Bon, une fois que vous avez ramassé les 5 pièces, c'est marqué. Hein. Vous voyez la rangée des 5 pièces qui sont là. Qui veut dire que vous ne pouvez plus ramasser à l'avenir, je crois. Si je crois, mais c'est pour dire que vous avez tout ramassé. Voilà, c'est enregistré. Voilà, ça c'est pour un peu gagner du temps.
Alors, on y est presque. Courage, c'est bientôt la fin de la vidéo. Voilà, une fois qu'on porte un truc, on est plus rapide. Ah, je pensais que je passais. Zut. Je fais n'importe quoi. Je me dis, il y a un truc en haut. Oui, il y a un passage, mais ça valait pas le coup. Hein. Voilà, la fin est juste là. Ah. Il est où mon champignon? Ah, c'est bon. Il était envolé, mais je pensais que je l'avais même pas récupéré. Ah non. Ah, j'y arrive pas. Hein. Ah, il en reste une, j'ai pas fait gaffe. Ah, moi, j'ai toujours une vie. C'est pas aujourd'hui qu'on va voir Luigi déçu parce qu'il a pas réussi à avoir de bonus. Donc voilà, c'est juste pour un petit raccourci pour pas se faire ce niveau qui est assez chiant. Donc ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Voilà, donc les épisodes pilotes sont assez longs avec moi maintenant, c'est un nouveau format, habituez-vous. Hein. Évidemment, oui, je voulais dire ça au début, mais j'avais complètement oublié, c'est que oui, donc je n'ai pas oublié, donc les let's play qui sont en cours, je les ai pas abandonnés, vous en faites pas, par exemple le Let's Blind sur les... sur l'Exode Day, le Let's Play d'ailleurs qui n'a qu'un épisode, mais tout va arriver. En général, quand puisque Crash Bandicoot 4 va bientôt être fini, j'attaque toujours un Let's Play, on va dire, surprise. Et c'est celui-là, voilà, qui va se finir assez rapidement, mais voilà, c'est le but d'un Let's Play. En plus, j'en vois pas beaucoup en français, du jeu original, et surtout sur GBA. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce qu'on a pensé dans les commentaires, si vous avez des suggestions, voilà, des têtes, des défis, j'en sais rien. J'en vois pas trop parce que j'y pense pas là. Mais bon voilà, bon, j'espère voilà, que ça vous a plu. Et moi je vous dis salut viewers.